Réussir à avoir des clients en automatique est quelque chose que tout marketeur, tout quelqu'un qui vend sur Internet a besoin. Parce que quoi, avoir des clients en automatique, cela te fait gagner du temps énorme. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Ironie Adané et si je te parle de comment gagner de l'argent sur Internet et quelques astuces pour y parvenir. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Je vais te donner quelques astuces pour pouvoir faire adopter la création de contenu. Et oui, la création de contenu est vraiment importante si tu veux gagner des clients en automatique. Si c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne, n'hésite surtout pas à liker et à t'abonner et à activer surtout la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je sors la plupart du temps. Cette fois-ci, je sors des vidéos chaque jour, histoire de combiner sur un mois pour voir ce que ça va donner, un challenge de un mois. Donc, du coup, je sors les vidéos tous les jours. N'hésite surtout pas activer la cloche de notification. Sans plus tarder, passons à la vidéo. Je le disais à l'entame de cette vidéo, si tu veux avoir des clients en automatique, recevoir les clients en automatique sans avoir à passer par le fait de faire de la prospection, faire de la publicité ou autre, il faut toujours adopter la stratégie de la création du contenu. Et oui, la stratégie de la création du contenu, je vais te l'expliquer de fond en comble pour que toi-même tu puisses comprendre et gagner des clients en automatique. Il y a beaucoup, beaucoup de gens. Et quand tu mets surtout cette stratégie en place, tu peux gagner des clients en automatique quand tu veux, comme tu veux. Les gens vont juste t'appeler pour te dire, j'ai besoin de tes services, j'ai besoin que tu me fasses ceci, j'ai besoin que tu me fasses ceci. Maintenant, le truc qui est vraiment, vraiment important, c'est quoi? Il va falloir que quoi? Que tu vends un service. Sinon, si tu ne vends pas de service, c'est-à-dire, même quand tu vas essayer de le faire, tu vas rien gagner. En consommant, donc rien gagner en échange. Donc, du coup, ce qu'il te faut à faire, c'est d'avoir un service. Par exemple, il faut avoir quelque chose à vendre. Il faut nécessairement avoir quelque chose à vendre. Ou bien, tu dois avoir un service que tu veux vendre par la suite. Donc, du coup, ce qu'il faut, c'est choisir une plateforme sur laquelle tu vas poster ta création de contenu. Et oui, les réseaux sociaux, surtout sur cette chaîne, je ne te fais que parler des réseaux sociaux. Aujourd'hui, au 21e siècle, d'abord, nous sommes en 2022, donc il faut surtout prendre en compte les réseaux sociaux. C'est vraiment énorme. Maintenant, tu peux prendre TikTok, tu peux prendre YouTube, tu peux prendre Snapchat, tu peux prendre Facebook, tu peux prendre Instagram. C'est à toi de choisir la plateforme, le réseau social sur laquelle tu veux mettre. Maintenant, le truc qui est vraiment important, c'est d'être là à poster chaque fois, chaque fois. Si je te dis de poster, c'est là, je viens te parler de la création vraiment du contenu. La création de contenu, tu peux le faire, tu peux utiliser des logiciels qui vont t'aider vraiment à le faire. Moi, j'utilise, j'ai des bases en Photoshop, en graphisme, donc du coup, j'utilise Photoshop. Parfois, j'utilise Canva. Et oui, tu peux utiliser aussi Canva pour pouvoir faire la création de contenu, de même que tu peux utiliser des logiciels comme... Il y a tellement de logiciels sur lesquels tu peux utiliser pour pouvoir vraiment faire de la création du contenu. La création du contenu, maintenant, quelle stratégie tu peux adopter? Le fait, c'est de créer des contenus de qualité. Plus tu crées des contenus de qualité, plus les gens vont venir vers toi en automatique. Il suffit juste, dans ta création de contenu, tu utilises ce fameux AIDA, attention, intérêt, désir, action. Et quand tu vas essayer de combiner tout ça, par exemple les visuels que tu fais, les audios que tu fais, les vidéos que tu fais, il va falloir que dans ces vidéos, dans ces audios, que tu dis aux gens de passer à l'action, tu donnes envie de passer à l'action de telle manière que chaque fois que les gens vont lire tes posts, chaque fois que les gens vont regarder tes vidéos, chaque fois que les gens vont écouter tes podcasts, ils vont se dire que d'accord, il faut que j'appelle ce gars il est bon, il est génial, il faut que j'appelle ce gars. Ainsi, tu auras des clients en automatique parce que quoi, quand tu seras là en train de dormir, les gens vont t'appeler pour te dire juste, ah monsieur, j'ai vu tel sur vous, est-ce que vous en avez toujours, est-ce que vous pouvez me faire ceci, est-ce que vous pouvez faire cela. C'est exactement ça. C'est comme quand tu lances des publicités, en fait, quand on lance des publicités, on est là au calme. Si tu optimises bien les choses, tu es là au calme et les gens te contactent par message ou bien par WhatsApp ou bien sur ton site directement, te dit ah, il y a des commandes et puis toi, tu passes juste les commandes, mais tu prends les appels et puis
tu satisfais tes clients, en fait. C'est exactement ça. Le truc qui est vraiment important, c'est de mettre tout ça là en place. Et pour le mettre en place, tu choisis un réseau social sur lequel tu développes une communauté là-dessus. Quand tu développes une communauté, tu postes, tu fais des posts très engageants. Tu essaies d'avoir un bon nombre d'abonnés, les gens qui te suivent. Et là, tu fais des posts très engageants. Les posts, il ne faut pas copier-coller tout le temps. Non, 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 non. C'est vrai d'utiliser les banques d'images, mais l'important, c'est de faire de la création de contenu authentique. D'ailleurs, je vais te mettre une vidéo quelque part là, une vidéo sur, je te parle de la community management. C'est vraiment important parce que quoi, quand tu fais de la création de contenu, tu dois être authentique. C'est vraiment important. Quand tu es authentique, les gens vont voir que celui-ci, ce qu'il fait, il maîtrise bien le sujet et là, ils viendront vers toi. Tranquillement, dès que tu seras en train de dormir, dès que tu seras en voile, peut-être les gens vont te contacter pour te dire « Ah, j'ai besoin de ton de ce produit, j'ai besoin de ce service, ainsi de suite. » Et puis, ils vont t'appeler. C'est comme ça que cela se passe avec moi. Par exemple, moi, je suis community manager. Je suis j'ai une agence SMMA où je développe, j'aide les entreprises à gagner de l'argent grâce au service de la publicité Facebook et aussi à la création du contenu. Tu vois, et c'est les deux services que moi j'ai actuellement. Donc du coup, j'aide les gens à faire non seulement de la publicité Facebook et aussi à faire de la création de contenu. Donc de telle manière que c'est A ou B, je les aide à vraiment aller de l'avant. Donc tu vois, quand moi je prends ces services-là, je crée des contenus pour eux, je les aide énormément. C'est ce que toi-même tu dois faire. Si tu vois que tu ne peux pas prendre quelqu'un pour que la personne te crée du contenu ou bien te lance des publicités pour que tu puisses vendre rapidement, donc ce qu'il te faut à faire, c'est de créer de la contenu toi aussi. Et pour créer du contenu, c'est quoi? Il faut aller sur les banques d'images, comme je peux te dire, il y en a plein. Vas-y, Google, tape juste banque d'images et tu auras des images et tout que tu peux utiliser, les vidéos aussi que tu peux utiliser, ainsi de suite. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. N'hésite surtout pas à partager à tes amis, à ta famille, ceux qui sont vraiment, ceux qui se disent ben, comment je vais faire la création de contenu, comment je peux gagner de l'argent en créant juste du contenu. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, bon nombre de gens gagnent des milliers d'argent grâce à YouTube en postant juste des contenus, grâce à TikTok en postant juste des contenus, ainsi de suite. Et YouTube les renumère par la suite, ou bien TikTok les renumère, ainsi de suite. Il y a tellement de plateformes aujourd'hui sur lesquelles tu peux gagner de l'argent juste en postant des contenus. Donc la création de contenu est vraiment importante. C'est une bonne stratégie pour pouvoir gagner de l'argent sur le long terme. Voilà. Donc du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine.